Alors on s'est pris une purée de mer en face du côté de Hyères. On est un petit peu avant la rade de Hyères. On a doublé Brégançon et on a croisé des ferries à passagers, là, des transports de personnes. Donc à droite c'est Brégançon là. Et on s'est fait secouer dans tous les sens, la mer est mauvaise. Bon là ça se voit pas trop parce qu'on a trouvé une petite crique où on a pu se mettre à l'abri et on va passer la nuit admirablement bien protégé. Parce que la petite crique elle est juste magnifique, c'est splendide. Là on est un peu à contre-jour, je sais pas si on le verra bien, mais c'est juste extraordinaire. Donc on a pu se mettre à l'abri, on est à l'abri du vent. On a la crique pour nous tout seul, il y a un bateau qui vient d'arriver à l'instant. On s'est mis à couple, on a frappé une ancre à l'arrière sous l'eau et deux ancres à l'avant, on va être super super bien. Et Marco s'est pris une vague de 300 litres dans le bateau. Donc opération séchage. Le moral des troupes est au beau fixe, hein, au fait. Non, mais alors, c'est épique. On se fend la gueule comme c'est pas permis. A plus tard.